Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Vous le voyez à l'image, ma chaîne YouTube s'habille en rose pour cette vidéo et pour cause, je vous parle aujourd'hui d'Octobre Rose. Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! Du 1er au 31 octobre, c'est donc la campagne Octobre Rose, 29e édition 2022. Le but, sensibiliser au cancer du sein et à son dépistage. Car oui, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes avec environ 60 000 personnes touchées chaque année en France et 12 000 décès. Je vais vous donner d'autres chiffres qui sont très marquants. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie, mais pris en charge tôt, le cancer du sein est maintenant guéri dans 90% des cas. Un autre chiffre lié à l'âge, celui-ci, près de 10% des cancers du sein surviennent avant 40 ans. Quoi qu'il en soit, le cancer du sein reste la première cause de décès par cancer chez les femmes. Pourtant, une femme sur deux environ fait le dépistage. C'est là le message le plus fort d'Octobre Rose. Le dépistage, car ça peut sauver des vies. On peut découvrir très tôt la maladie et ce n'est pas abstrait. Ça peut sauver ta vie, celle de tes amis ou de femmes dans ta famille. À partir de 50 ans, le dépistage, c'est tous les 2 ans et c'est remboursé par la Sécu. C'est une mammographie avec un examen visuel et tactile des seins. Sinon, à partir de 25 ans, la recommandation, c'est une palpation des seins tous les ans par un professionnel de santé, sans oublier l'auto-palpation qui est fortement recommandée. Je vous ai mis un lien dans la description. Allez, pour la petite précision aussi, on peut trouver des cancers du sein chez les hommes, même si, oui, ça ne représente que moins de 1% du nombre total de cancers du sein. On le retrouve principalement chez des hommes de plus de 60 ans. La mobilisation en faveur du dépistage du cancer du sein commence dans les années 90. Aux États-Unis, une fondation voit le jour grâce à Evelyn Lauder, de la famille du groupe mondial du soin de la peau Estée Lauder. Le but, récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein et sensibiliser le plus grand nombre. C'est grâce à cette mobilisation que le ruban rose, comme le rouge par exemple contre le sida, devient l'emblème de la cause et que le mois d'octobre devient lui aussi un symbole. En France, le groupe Estée Lauder et le magazine Marie Claire lancent en 1994 l'opération Le cancer du sein, parlons-en. Le mouvement devient une association 9 ans plus tard et change de nom pour Ruban Rose en 2020. En France, les deux objectifs sont les mêmes, aider la recherche et sensibiliser. Un exemple d'aide à la recherche en France, les prix Ruban Rose qui financent des projets scientifiques depuis 2003, 4 millions d'euros. C'est la somme totale versée par l'association Ruban Rose aux projets de recherche. Évidemment, contre cette maladie, on a vu ensemble les chiffres, il faut se mobiliser, partager autour de vous cette initiative, faites-la connaître si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi donner, ça aidera la recherche et la sensibilisation. Je vous mets le lien des sites de Ruban Rose et de la Ligue contre le cancer dans la description, ce sont des liens de cagnotte. Sinon, un petit défi sur Insta et TikTok, un défi lancé par la Ligue contre le cancer, c'est le Brad Challenge, vous voyez mon magnifique accent anglais. Il suffit en fait de faire une photo, une vidéo en lançant son soutien-gorge, ce n'est pas grand-chose, mais ça permet de mettre en avant la cause. C'est donc la fin de cette vidéo, merci les amis d'avoir été au rendez-vous, j'espère que vous en savez plus. N'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Vincent Quête, ce sont des vidéos toutes les semaines, c'est aussi sur Twitter, Instagram et TikTok, on se parle quand vous voulez. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.